Bonjour. Alors, je m'appelle Raphaël, mais tout le monde m'appelle Poppy, Popiette, Popinette, n'importe quel surnom vous pouvez me donner. Hello, moi je suis ma Big Bright, je suis la maman de Poppy et de 4 autres personnes. Chez nous, nous avons tous 3 prénoms, dont 2 prénoms composés et une kyrielle de surnoms. C'est pour ça qu'elle vous a dit qu'on l'appelle Poppy, Poupinette, Popiette et j'en passe et des meilleurs. Alors, Poupinette et moi, aujourd'hui, voulons vous parler d'une technique de méditation qui est faite pour les gens comme nous, les gens qui bougent tout le temps. Les gens qui sont tout le temps en mouvement, qui ne sont jamais fatigués et qui n'ont surtout jamais envie de s'arrêter. J'ai découvert... Vas-y, chouchou. Si vous voulez savoir, dans notre famille, si vous avez cette question, la personne la plus en mouvement dans cette famille, c'est moi. Oui, c'est elle. Bon, alors, j'ai découvert cette technique parce que je suis convaincue que la méditation est extraordinaire. Je sais, j'ai étudié le cerveau suffisamment longtemps pour savoir que la méditation permet de changer notre cerveau, d'activer la neuroplasticité de notre cerveau. Mais je m'enquiquinais en méditant. C'était vraiment pas mon truc de rester sur un tapis en train de méditer. J'ai essayé X mille techniques de méditation qui ne me plaisaient pas, jusqu'à ce que je découvre 2 techniques de méditation. La première qui est la méditation active via le breathwork, mais ça j'y reviendrai, et la deuxième qui est la méditation en mouvement, qui est absolument extraordinaire et que j'utilise entre autres méthodes avec Poppy et sa jumelle. Ma chérie, est-ce que tu peux raconter ce qu'on a fait hier? Alors, qu'est-ce que tu étais en train de faire quand on a commencé? Prenez une sorte de glace dans un emballage. Bon, en Guadeloupe, on appelle ça un floupe. À La Réunion, je crois qu'on appelle ça un boudou. Bref, c'est une glace dans une espèce de cône, de tube en plastique. Ok, donc tu mangeais cette glace. Au coca. Et après, il faut que je dise. Après, maman m'a appelée et elle m'a dit qu'on allait faire de la méditation en mouvement. Ok, donc ce qui se passe, c'est que la méditation en mouvement ne requiert pas qu'on arrête de faire ce qu'on est en train de faire, ne requiert pas qu'on soit dans le silence, ne requiert pas qu'on ferme les yeux. Bref, c'est de la méditation qui peut être pratiquée au jour le jour, à chaque instant de notre vie. Donc, dans l'expérience que j'ai proposée à Raphaël hier, c'était de la méditation en mangeant. Ok, alors Doudou, exactement on a fait quoi? Exactement, elle m'a dit de me concentrer sur ce que je faisais à l'instant. Pour s'ancrer dans le présent, pour la pleine conscience de l'instant. Ok, de te concentrer sur l'instant. Super, après. Après, elle m'a dit d'entendre le bruit qui craquait sous mes dents, d'entendre le flou glisser sur ma langue et de sentir la fraîcheur descendre dans mes poumons. Dans ton estomac, peut-être, parce que si le flou va dans tes poumons, on est dans la galère, c'est que tu es noyé. Hein? Ok, donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que je me suis servi de ce qu'elle mangeait comme point focal. Là, c'était un flou, ça aurait pu être une pomme, des chips ou une carotte ou enfin, que sais-je. L'idée, c'est de me servir de ce qu'elle est en train de manger comme point focal et de l'obliger à se concentrer sur ses 5 sens, sur ce qu'elle ressentait. Donc là, elle vous a parlé de l'ouïe. Donc, elle est arrivée à un niveau de concentration tel qu'elle entendait la glace sous ses dents, alors qu'il y avait du monde autour, alors qu'on parlait autour, que les autres jouaient autour. Je lui ai demandé de regarder ce flou, de distinguer précisément ce qu'elle voyait. Donc, elle s'est mise à voir les endroits où la glace était encore entière et les endroits où l'eau s'échappait de la glace pour aller s'amasser au fond du sachet. Je lui ai aussi demandé de mobiliser le goût et donc de sentir le moment où le flou rentrait dans sa bouche, passait sur chacune de ses papilles, descendait dans sa gorge, de sentir la fraîcheur du parcours de la glace jusqu'à ce que la fraîcheur s'évanouisse. Est-ce que tu as ressenti des sensations que tu ne ressens pas d'habitude? Des choses auxquelles tu ne fais pas attention d'habitude? Oui, en fait, d'habitude, je fais mes affaires tranquillement, je vois mon flou et je ne sens pas la glace couler, la fraîcheur, je ne la sens pas. Je sens qu'il fait chaud.
Ce qu'elle dit, c'est exactement ce sur quoi on veut attirer votre attention. Le fait qu'on vive tellement en mode autopilote qu'on oublie que des choses extrêmement simples, et c'est ça le principe de la méditation en mouvement, des choses extrêmement simples nous permettent de nous ancrer dans l'instant. Au moment où elle est en train de mobiliser l'intégralité de ses sens pour vivre cette expérience sensorielle, elle n'est plus en train de penser à autre chose, elle n'est plus en train d'être parasitée par des pensées parasites. À la fin de cette expérience, comment tu t'es sentie, mon bébé doré? Je me suis sentie tellement calme et paisible, légère comme une plume. J'étais presque en train de flotter. Vous vous rendez compte? La méditation en mouvement. Bon, alors, on reviendra vous en dire plus sur la méditation en mouvement. Mais en tout cas, sachez que c'est une méthode absolument extraordinaire que nous utilisons. On peut méditer en mouvement en mangeant, en se brossant les dents, en se douchant, en regardant les nuages, dans les embouteillages. Bref, cette technique peut être utilisée partout, sur les adultes comme sur les enfants. Toutes les méthodes dont je vous parle avec mes enfants sont des méthodes que j'ai commencé par utiliser pour moi et qui, parce qu'elles ont fonctionné pour moi, j'ai étudié de façon à les maîtriser et à pouvoir les utiliser sur d'autres. Bon, eh bien ma chérie, on les laisse là, je crois qu'ils ont compris. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur envoie des paillettes au